Salut tout le monde, c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre petit rendez-vous de la semaine avec Xur et comme vous pouvez le constater, il y a déjà pas mal de monde autour de lui. Alors vous aurez remarqué que Xur avait une heure de retard à la tour ce matin, c'est tout simplement parce qu'il respecte le décalage horaire puisqu'en effet nous avons reculé nos horloges d'une heure pour accéder à l'heure d'été. Il va donc à présent se présenter à la tour à 11h tous les vendredis et il repartira à 11h bien évidemment tous les dimanches. Donc nous sommes en présence de notre agent des neufs et pour cette semaine, il nous propose le casque laser pour les titans, les gantelets du chasseur ne me touchez pas et les gantelets de l'arcaniste solaire qui sont très très bien. Ensuite, vous avez l'arme exotique, le souffle du dragon qui est une arme, ma foi, fort acceptable. Toutefois, si vous possédez le Gjallarhorn ou la fin de Crota, ce n'est pas une nécessité que de la posséder. Anagramme de torse pour terminer qui vous promet de très beaux loot exotiques s'il vous manque encore quelques équipements sur vos personnages. Ensuite, côté amélioration, on retrouve la symbiote acléophage et la rapière des chanceux pour les chasseurs, le torse d'Alpha Lupi et les gantelets pas de plan B pour les titans, et enfin pour terminer, le voile d'apothéose et les gantelets solaires pour les arcanistes. On poursuit avec les armes et on aura cette semaine la poupée vaudou, l'amida, le chardon, le stoïque qui est un très très bon sniper en cryo qui plus est, le maître du tonnerre également une très bonne sulfateuse et le conseil suprême que je recommande également. Côté rareté, on retrouve cette semaine les télémétries des fusils à impulsion, des fusils à fusion et des lance-roquettes et bien évidemment il y aura le retour des cartouches de munitions violettes qui reviennent définitivement beaucoup plus souvent. Si vous avez tout votre stock en armes et en équipement, n'hésitez pas, du coup c'est le moment de faire votre stock et de remplir vos coffres de munitions lourdes pour les prochains assauts ennemis nord. Voilà, c'est tout pour notre petit rendez-vous avec Xur. N'oubliez pas qu'il part dimanche à 11h, vous avez encore beaucoup de temps devant vous pour commercer avec cet agent des neufs. En attendant, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à partager ou à me faire part de vos commentaires dans l'espace prévu à cet effet en dessous de cette vidéo. Je vous fais de très gros bisous, passez une bonne journée. Ciao ciao !